Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le tout nouveau girls group de la SM Entertainment, j'ai nommé aespa. J'avais adoré Black Mamba, surtout ce concept qui est très innovant avec ses avatars, ce monde futuriste vraiment très technologique, vraiment un univers que j'aime. Là j'ai vu que la SM nous avait sorti tout simplement une sorte d'épisode 1 qui se nomme évidemment Black Mamba, SM Culture Universe. Ça ressemble un petit peu à SM Cult du monde Marvel. Peut-être qu'ils vont reprendre ce genre de concept, ça pourrait être très sympa. J'ai vu aussi que hier soir ils ont sorti leur MV teaser, donc je me dis mais pourquoi pas tout simplement faire une vidéo réaction sur cet épisode 1, parce que j'aime tellement cet univers et je trouve que ce groupe a énormément de potentiel. En plus, demain sort le MV officiel de leur nouveau titre, j'ai trop hâte. Et je me dis, bah, je vais faire la MV, l'épisode réaction aujourd'hui comme le MV sort demain. Et en même temps, tout simplement réagir au teaser qui est sorti également. Je vais sûrement beaucoup parler lors de mon visionnage parce que j'ai mis les sous-titres. Bon, ça va être sûrement traduit partiellement automatiquement, mais c'est pas grave parce que je vais essayer de décortiquer ce qu'il montre. Mais en tout cas, je vais arrêter de parler, j'ai trop hâte de découvrir ceci maintenant. Ah ouais, ça commence déjà bien. Déjà leur logo, ils ont fait un taf de malade. Ça a vraiment l'impression de voir un mini-film là. Tink, tink, tink. D'où sommes-nous venus? Ok. Oh. C'est l'avatar de qui ça? Katrina peut-être? Non. Je pense pas. Non, ça doit être un autre avatar de je sais pas quoi. D'accord. On voit plein de photos. On voit des photos des membres, mais. Oh. Ça me fait penser à Thor. Ok, il y a des trous noirs avec les AE, ok d'accord. Oh d'accord. Ok, donc il parle que en clair il y a qu'il y a une émergence de nouvelles existences, les formes AE. Ils sont prêts pour quoi? Oh. En tout cas, visuellement parlant, c'est déjà très beau. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Ok. Gisèle, elle est trop belle. Ok, donc elle a son AE et voilà. Apprendre à interagir avec son avatar en clair. Ooh. Winter, qu'est-ce que... On dirait une sorte de simulation contre des personnages virtuels. Je la vois bien jouer dans ce genre de drama, mais très... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il l'a... Oh, son avatar est là. Mission clear.
Ok, Next Level, c'est le titre de leur nouveau titre qui doit sortir demain. Donc on voit chacune des membres qui interagit avec leur avatar, enfin leur AE. Elle est trop magnifique, Ningning. C'est très joli visuellement. Ah ouais, ça me pensait un petit peu aux Wings. Ok. Ouais, ils vont monter un coup, quoi. Ok. C'est beau. L'existence précède l'essence. Oh, c'est Katrina, ça, je pense. Hein. Yes. Karina, pardon. C'est super beau. Oh. Le visuel, mais regardez-moi ça, il y a du taf, mais digne d'un film Marvel, quoi. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc, en clair, toutes nos recherches sur le net et tout forment notre avatar? D'accord. Votre désir. Désir. Ouais, et là il y a un stud qui se passe. Comme une sorte de virus. Le désir, oui, évidemment, l'avidité de l'être humain, quoi. Ok, ils sont piratés et il n'y a plus de connexion avec. Black Mamba, il y avait ce serpent magnifique dans le MV. Ça me pense un petit peu, je sais pas si vous connaissez le dessin animé Code Lyoko, ils doivent à chaque fois aller dans ce monde virtuel et désactiver ses tours et tout. Oui, il y a vraiment ce virus, ce Black Mamba, hein, ce serpent. La force obscure, en fait, tu vois. Ouais, d'accord. Oh, ah oui, 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 un lien, oui, j'adore ça. Ok, ok, ok. Oh, c'est déjà fini. T'avais trop envie d'avoir la suite. C'est trop vite passé, en fait.
ou trop de faim, hein, comme un mini-film, sympa. En tout cas, ils ont choisi de très bons acteurs, hein. Mais ils vont peut-être avoir une sorte de petit truc. Parce que souvent, dans les films Marvel, quand vous voyez tout ce générique de fin, vous avez une petite partie pour vous vraiment montrer une sorte de suite, ce qui va passer dans le prochain film. Peut-être que ça va être comme ça, je ne sais pas, ben, j'espère en tout cas, parce que je suis trop sur ma faim là. Ah, ah. Ok, là donc on est dans le monde virtuel des avatars, hein. Ok. Oh wow. Oh, d'accord, une sorte d'autre univers noir où il y a vraiment. Un nouveau monde alors. Un monde détruit. Où il y aurait ce fameux Black Mamba. Oh yeah. Next level. J'ai trop hâte. Eh bien, que dire durant ce premier épisode Black Mamba? Franchement, il y a tellement d'éléments, je pense que vous avez compris, j'ai décortiqué tout le long de mon visionnage. Mais en tout cas, visuellement parlant, c'est super bien fait. Limite, tu vois un épisode qui provient direct, mais de l'univers Marvel. Je trouve qu'on avait beaucoup de coïncidences avec le monde de Thor. Cette route vert, etc. Ouais, ça faisait beaucoup référence au monde de Thor. Je sais pas pourquoi, mais on va dire dans l'ensemble de Marvel, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une histoire qui se tient. T'as trop hâte de voir l'épisode suivant parce qu'à la fin, on voit les personnages avatars de chaque membre comme s'ils allaient sur une autre, dans un autre univers grâce à un route vert Nevis. On voit que c'est le monde de Black Mamba. Peut-être qu'ils vont aller essayer de le détruire pour que tout redevienne comme avant. Ah, il y a tellement d'éléments, mais je pense que vous avez compris. Comme je le dis, j'ai tout décortiqué lors de mon visionnage. Moi, en tout cas, j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode 2. En tout cas, ils ont vraiment du très très bon potentiel. Certes, ce sont des très bonnes chanteuses, danseuses, etc. Mais en acting, franchement, ils sont très très fortes. J'espère qu'un jour, on pourra peut-être tout simplement les voir dans des dramas. Là maintenant, je vais visionner tout simplement leur teaser sur leur titre Next Level. Le MV officiel va sortir demain et c'est parti, je découvre ce teaser. Ok, on garde vraiment ce monde futuriste. Hein. Vraiment Next Level, ce qu'on voyait un petit peu dans l'épisode 1, qu'ils allaient dans un autre monde pour combattre Black Mamba. On voit ce serpent là, à côté de Karina. Oh, leur tenue, ça va être très très futuriste. Hein. Ça change un petit peu de leur précédent comeback quand même. Ah, teaser trop court, t'as envie de voir plus quoi. Alors ouais, comme je le disais, le teaser est trop court, mais c'est le but des teasers. Mais on n'a pas vraiment d'indice sur le titre au niveau sonorité musicale. Mais en tout cas, quand vous voyez déjà les tenues, certains pas durant la chorégraphie, à mon avis, ça va être aussi canon que Black Mamba. En tout cas, c'est vraiment un groupe depuis leur début que je suis. J'adore vraiment leur univers. Vraiment, SM a mis du paquet. J'espère qu'ils vont pas oublier leurs autres groupes. ASM, mais en tout cas j'ai adoré. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quelle théorie vous avez par rapport au premier épisode. Est-ce que vous avez également aimé tout cet univers à la Marvel et ma réaction? Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à demain pour le MV officiel. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.